Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Kayla. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maladie du siècle, le cancer. Vers la fin des années 50, Zent Gyorgui, un chercheur célèbre qui a reçu le prix Nobel de médecine en 1937 pour son travail sur la vitamine C. Et suite au décès de son épouse d'un cancer, il oriente ses recherches vers la recherche des composantes naturelles pouvant avoir des actions anti-cancer. C'est dans les années 60 qu'il isole ces substances dans le germe de blé fermenté, les quinones. Après son décès, un autre biochimiste, Matti Hedvigi, décide de continuer les recherches de Gyorgui. En 1997, après 8 années d'études, sa technique de fabrication est mise au point et même brevetée. Aujourd'hui, le germe de blé fermenté est parmi les rares des compléments alimentaires qui bénéficient d'une aussi grande documentation scientifique à propos de ses propriétés sur la santé. Maintenant, nous allons voir quels sont les résultats. Des expériences chez les animaux inoculés avec le cancer, la combinaison du germe de blé fermenté avec des médicaments chimiothérapeutiques couramment utilisés a complètement inhibé le développement des métastases. Dès cet instant, les chercheurs ont su qu'ils avaient entre les mains un produit très prometteur. Comment agit le germe de blé fermenté sur le cancer? Le germe de blé fermenté utilise 4 mécanismes d'action qui changent la biochimie et le fonctionnement interne des cellules tumorales. Il coupe les sources de nourriture des cellules tumorales. Il régule le système immunitaire. Il inhibe et empêche ainsi la multiplication des cellules tumorales. Et pour finir, il empêche la réparation des cellules tumorales. Actuellement, les études scientifiques sur le germe de blé fermenté montrent qu'il agit sur différents types de lignées cellulaires. Il est efficace que ce soit sur les cellules cancéreuses du sein, du pancréas et leucémie. Le germe de blé fermenté ralentit la progression de la maladie et améliore la survie des patients atteints du cancer du côlon à un stade avancé. Dans une étude recrutant 170 patients avec cancer du côlon, le germe de blé fermenté permet de réduire de 82% l'apparition de nouvelles tumeurs et de diminuer de 67% les métastases. Le groupe qui prenait quotidiennement du germe de blé fermenté comprenait 62% de morts, au moins, par rapport au groupe contrôlé. Cette étude a permis de montrer que le germe de blé fermenté permet de prolonger la vie des patients atteints du cancer du côlon. Maintenant, nous allons voir l'effet de l'efficacité du germe de blé fermenté sur l'amélioration de la qualité de vie des patients. En fait, une amélioration de la qualité de vie des patients est importante et peut même être à l'origine d'une meilleure chance de réussite de la thérapie et d'une amélioration de la survie des patients. Plusieurs études sur le germe de blé fermenté ont montré qu'il permettrait d'améliorer la qualité de vie des patients. Une étude pilote s'est déroulée sur 16 patients atteints du cancer du poumon. Ceux-ci étaient traités par radio ou chimiothérapie et ont reçu du germe de blé fermenté pendant 8 mois. Les réponses des patients témoignent d'une amélioration de l'état de santé et de la fatigue, des améliorations de la douleur, du manque d'appétit et de l'humeur étaient également évoquées par les patients. Une étude faite par Ferrari en 2008 montre que le germe de blé fermenté améliore la qualité de vie et empêche la perte de poids chez 22 patients atteints du cancer de la cavité orale, à un stade même avancé, comparé aux 33 patients qui n'en prenaient pas. Dans cette étude, le groupe germe de blé fermenté a pris du poids, tandis que le groupe contrôle a perdu du poids, et ce, après 2 mois de traitement. Attention, il ne faut pas négliger le traitement conventionnel comme la chimio et la radiothérapie ou alors la chirurgie s'il y a lieu. Le germe de blé doit être pris en complémentarité avec le traitement thérapeutique. Pourquoi et comment le germe de blé fermenté agit sur les cellules tumorales?
Des études ont montré que le germe de blé fermenté regorge de puissants effets anticancers et immunomodulateurs. Depuis plus de 10 ans, il est utilisé comme adjuvant aux thérapies conventionnelles contre le cancer, comme la radiothérapie et la chimiothérapie. Il améliore effectivement la qualité de vie de patients atteints de cancer et améliore leur survie même dans les cancers à un stade avancé. Il permet de réduire de 82% l'apparition de nouvelles tumeurs chez des patients souffrant de cancer du côlon. Il diminue les effets secondaires de la chimiothérapie et la radiothérapie, comme la fatigue, la baisse du nombre de cellules sanguines, les nausées, la perte d'appétit, la perte des cheveux, les diarrhées, la constipation et les douleurs. Maintenant, avant de finir, je voudrais vous signaler un point qui est majeur et important. Il est important et primordial d'utiliser du germe de blé sous forme de médicaments homologués qui respectent la réglementation pharmaceutique pour éviter la présence des germes. N'utilisez que des produits dont la pureté avoisine les 100%. Le germe de blé fermenté existe sous forme de comprimés et de poudre. Pour terminer, gardez le germe de blé fermenté dans un coin de votre tête. Parlez-en à votre famille et à vos amis et à votre médecin. Il pourrait un jour sauver votre vie ou celle de vos amis. Merci pour votre écoute. Au revoir.